Nous saluons toute l'Église dans le nom du Seigneur. J'ai reçu quelques questions que j'ai trouvées au bureau. Je vais tenter de répondre à quelques-unes rapidement. Frère, merci pour les instructions sur l'ordre. Vous avez montré que d'après la Bible, une église locale est dirigée par les anciens. Entre parenthèses, collège des anciens. Ma question est la suivante. Pouvez-vous nous donner des références? Bible, message ou frère Franck? Qui montre que parmi les anciens, il y a un d'eux qui est considéré comme berger. Il est nonné chaque semaine qu'il a basé, puis comme moi, il a bon Dieu que ça me chongage. D'abord, il faut faire très attention. Kwanza, on n'a pas chaque fois l'angalisho. Moi, je dis que l'Église locale est sous la responsabilité des anciens. Il est semé qu'ni ça parle, il qu'on a engagé on a basé. Je n'ai pas dit que j'ai pas un collège des anciens, c'est différent. Nakundi, y a basé y a pas na. Faut faire attention. On a fait chauffer n'engalisho. La responsabilité est donnée aux anciens. Basé, je veux qu'on a bougé toi kongoza kanisa paali. Ce n'est pas une direction collégiale. Aina kusema bote on a pas chauffer. Njoo kamata mpango il faut bote pa moya y a pas na. Non, non. Là, vous avez mal compris. Maintenant, parmi les anciens, il y en a un qui est considéré comme berger. Mchungaji wa kanisa. Nos frères de Nouvelle Lumière, banduku yetu aba manuru mupya. Ils avaient cette conception collège des anciens pour oh, bah, je commence avec Frère Branham. Je n'ai pas eu le temps de rassembler beaucoup dans le message l'ordre dans l'église. À la page 2, brochure de Suisse. Page apiri, paragraphe 6. Paragraphe 6. Je commence le milieu pour gagner du temps. Nanzia mukati kati. Dieu n'a jamais eu deux têtes pour son église. Non, Mungu, jamais. Il a toujours été avec une seule tête. Anatumikaka na mtu moya. Comme l'avons étudié au travers des Écritures. Vile tuliisoma maandiko. Il a toujours eu affaire à un seul homme. Yana itaka ni mtu moya jua kuongoza kanisa pale. Car si vous prenez deux hommes, juu kama mnaweka watu wawili baongoze kanisa pale. Vous aurez des opinions. Ni mawazo mbili ya kuachana. Jamais. Aiwezekani bawili baongoze. Maintenant, Frère Franck, Dugu Franck, dans le mariage pour l'ancien, moi kitabu ndoa mambo ya zamani. Voilà, page 35 et 36. Page 35 na 36. À la maison, vous allez lire les deux pages. Aucun n'a le droit de juger soi-même de son propre cas ayant décidé. Mais bien le frère responsable devant Dieu, lesquels ont été confirmés comme enseignants et bergers.
Il doit prononcer ce qui est juste conformément à l'écriture. Wanapasha kusema yenye kwa ya haki kufuatana andiko. L'administration de la justice a lieu uniquement conformément au livre de la loi divine. Na kukata mambo kwenye kunapasha kuambatana kitabu ya Mungu. Et sans exception de personne. Na bila ubaguzi. Cela ne se passe pas à la maison. Aina mambo ya ukatiwa kunyumba. Mais bien dans l'église. Ni mukanisa. Dans l'écriture. Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis car ils veillent pour vos âmes comme ayant à rendre compte. Tout frère ou toute sœur qui ont des problèmes de couple ou même un problème de divorce qui s'est soustrait au ministère que Dieu a établi dans l'église, se trompe eux-mêmes. Ici, les agents de 5 minutes de la parole sont des anciens. Parce qu'ils ne respectent pas le berger et la parole de Dieu. Ils suivent leur propre chemin. C'est-à-dire qu'ils prennent un avocat et vont au juge. Comme si ceci était compétent pour le croyant. Celui qui, lors d'un problème de couple, s'adresse dès le commencement à ceux du monde au lieu de choisir le chemin biblique. Bakamkatie kubatu wa mudunia pali ya kwenda kufuatana na maandiko kuna basi. C'est une influence du méchant. Yeye mwenye kunaweka chini ya uvuto wa shetani. Se trouve en révolte ouverte contre Christ qui est la tête. Ni mwenye kutombokea Kristo mwenye kwa kichwa wa kanisa. La tête du corps, lequel est son église. Na mwili ni kanisa yake. Et rend nul pour lui-même la parole de Dieu. Na iko nazimisha juu yake neno la Mungu. Haitakuwa na nguvu tena kwake. Lui ou elle. Mwanaume au mwanamke. Peu importe lequel est allé chez l'avocat en premier. Ule alienda kumuona avocat wa kwanza. Doit savoir qu'en agissant ainsi. Anapaswa kujua kusema wakati anatenda vile. Il se rend coupable du plus vilain blasphème contre Dieu. Anakufuru mbele ya Mungu, anamkufuru Mungu. Parce que de cette manière les croyants sont exposés à la moquerie devant les incrédules. Juu wakati wanafaa vile ni waaminifu wanachekelewa na watu wa mdunia. Maintenant il continue maintenant. Sasa anaendelea. La même pensée. Wazo moya moya. Dieu dit à la page 36, page 36 dit le berger et les anciens muchungaji na waze ne doivent pas prendre parti pour l'un ou l'autre. Abapashi kwa ngambo ya uyo ya ule. De même qu'ils ne doivent pas être de la parenté de l'une de part. Na ifai bakwe banduku yake ya mmoja wa bale banapashi kata mambo yao. Sont des juges locaux. Ni wamzi wa mkanisa pale. Le berger et les anciens. Anasema muchungaji na waze. Quand ils doivent juger. Wakati wapashi kata mambo. C'est comme si ça concerne mes enfants, je dois m'écarter à ce moment-là. Le berger et les anciens ne doivent pas faire partie d'une famille. Maintenant, pour aussi vous aider, je crois qu'il y a quelques années, on avait publié décision opération des offices ici. On a imprimé chez les diacres. Il y en a encore, je ne sais pas. À la bibliothèque. Essayez de procurer ça. Vous comprendrez. Ça, c'est frère Branham. Je n'ai pas voulu vous lire quand j'ai parlé. Il dit voilà. L'office du pasteur. Kazia pasteur. L'office du pasteur est de conduire la justice chaque problème qu'il croit être selon le plan de Dieu. En accord avec la parole de Dieu. Il assumera l'autorité suprême. Et aura la responsabilité personnelle. Et sans partage. De garder de pouvoir le bien-être spirituel de l'église. Il sera à la tête du pasteur associé. Il parlait de son église, il n'y avait que lui et son associé. Il sera à la tête du conseil des diacres, du conseil des administrateurs et du corps de l'église lui-même. Quand
Quand vous avez deux personnes, ça fait des opinions. Kama mnakuwa na ba pastor ba viongozi bawili, inakuwa ni mawazo mbili ya kuachana. Je me rappelle quand on était à Kabulo. Wakati tulikuwa kwa Kabulo. Les anciens frères peuvent se rappeler de la chose. Banduku nous étions à peu près six prédicateurs. Tulikuwa bawili sita. Nous étions dit entre nous-mêmes. Tulikuwa kati yetu. Ce n'est pas juste. Tuliambiana chef wenyewe kusema hapana, iweze kwa. Oui, na chef mama anase non. Celui-ci donne une opinion. On a trouvé un arrangement, il n'y a pas de passeur. Tukasikilizana, hakuwa passeur kati yetu. D'ici à des communications qu'une seule personne le fasse. Asikama kwa matangazo mtu mmoja anze kuileta. Et on avait marché comme ça en attendant que nous puissions établir un passeur. Tulitembea kwa vile C'est le c'est Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Mungu ni wa utaratibu. Quand on place des anciens, wakati tunaweka wazee, on peut les placer le même jour. Waweka siku moya moya. Mais on détermine ça c'est le pasteur, ça c'est notre. Na wanasema huyu ni pasteur wa kusaidia, huyu ni pasteur mwingine. Et dans le premier message, quoi? Christ est la religion du mystère de Dieu. Quand vous aurez des problèmes, écoutez votre berger. Lui, il a été établi pour ça. Donc, comme nous sommes ici, quiconque est ici, il doit accepter que je suis son berger. Même si c'est ministre. Kusema niko mchungaji wake, hata kama yeye ni mhubiri. Et si le ministre comprend ça, il aura moins de problèmes. Na kama mhubiri anaelewa hivi, hasa takuwa na mambo ya bibi. Je suis dans une église locale. Na niko mkanisa pale. Mais il y a un berger. Muko mchungaji. Donc je vois que c'est clair. Hein? Nazani mnaelewa. Allez chercher ça, je crois que. Ubebe ile kitabu ile mapapier opération des offices itamisaidi. Et si ça fonctionne très bien, nous collaborons. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il peut faire des bêtises. Il peut facilement basculer du mauvais côté. L'œuvre de Dieu, c'est un travail de collaboration. Mais les sphères d'action ne sont pas les mêmes. Lakini biwango ya kazi vinaachana na mabujito inaachana. Nous collaborons à la même œuvre, on a besoin des autres. Tuko nasikilizana ndio tunahitaji wamoja na wengine juu ya kazi moja. Donc ça peut presser. Zani ni ile. On a répondu à ça. Oui, il est maintenant 17h. Ah, pas 17h. Soyez aussi indulgents. Moi, je suis venu à ça va. Nous parlons des diacres. Et le quoi, on a semé à cause de Chemasi. Nous pouvons nous lever pour lire rapidement. Tout si ma, mais tout ce menant la mung. 1 Timothée. Timothée au Akwanza. Chapitre 3. Timothée au Akwanza, sura ya 3. 1 Timothée chapitre 3. Timothée wa kwanza sura ya 3. Le verset 8 à 13. Musaro mnane paka 13. Le diacre aussi doivent être honnête. Washemasi wanapasha kwa na wakunyoloka. Éloigné de la duplicité. Aba pashi kwa bad banafiki. Des excès de vin, apache kwanza kunwa pombe, dengue sordide, au mapato ya haya, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, wanapasha kutumika na zamiri safi, qu'on les éprouve d'abord, wawapime kwanza, et que ensuite leur ministère si sont sans reproche. Na kisha bafanye kazi yabo kama kweli abana na kemeo. Et si on a mal traduit les femmes, c'est leur femme. Asema ni babibi yabo, haina asema baada na bomu kanisa hapana, ni babibi ya bashemasi. Leur femme. Babibi ya bashemasi. De même doivent être honnêtes. Non médisantes. Bastio masingizio. Sobre. Benye kuwa na kiasi.
fidèle en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Et bien diriger leurs enfants et leurs propres maisons. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Je reviens sur le verset 11. Si vous avez la version du roi Jacques, j'ai ça en anglais. C'est la version que Frère Branham utilisait souvent. Roi Jacques. Quand vous regardez ça en anglais, leurs femmes. Their wives. Leurs femmes. Maintenant, j'ai une autre version en français, synodale. Version synodale, mon français. Là, c'est, on a bien traduit. Que leur femme soit honorable. Les conditions sont là. Si vous en faites attention, c'est presque les mêmes conditions requises pour les anciens, à peu près. C'est pourquoi vous comprenez que c'est un service très strict. Sont des gens honnêtes, éloignés de la duplicité, pas de langage. C'est une mauvaise chose. Ça veut dire de l'hypocrisie. Et je vous ai toujours dit, quand Satan couronne la vie d'un homme, ce qui lui donne comme couronne, ça s'appelle l'hypocrisie. Un adultère, un fumeur, un ivrogne est préférable à un hypocrite. Tu as mal traduit, frère. Il est préférable. S'il fallait choisir, il y a l'adultère, il y a le vol, et l'hypocrisie. Choisis les deux, mais pas l'hypocrisie. Toi, une prostituée, Ndumba, elle ne se cache pas. Nindumba. Tout le monde sait que c'est une prostituée. Elle amène des hommes. Elle n'allait pas en aumé. Banatoka, elle ne se gêne même pas. Nindumba. Elle couche avec eux et c'est fini. Tout le monde connaît Nindumba. Tout le monde sait que Nindumba, c'est une prostituée. Maintenant, imagine une femme mariée qui fait ça. Ça, sa bibi au mundo, mon yoko fabundo. Qui trompe le mari. Et on a l'anda bwanake. Ou une jeune fille qui fait ça. Ou aobinde. Elle n'est pas mariée. La kini a jao oléo. Parce que c'est une jeune fille. Asadiko. Ngaram suruya babwana. C'est une jeune fille, la kini avec avec une multitude d'hommes qui la courent après. Ou un frère qui vient ici. Pour nous, c'est un frère. Là, il est chez une prostituée. Mais il chante avec nous. Il danse. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour nous, c'est un frère. C'est le plus pire, celui-là. L'hypocrite. Éloigné de la duplicité. Un vrai croyant, il promet ses convictions, même si les autres pensent que cela est faux. Il ne se cache pas. Et que ça devint gain sordide. Un intérêt d'argent, non. Conservant les
Sœur de la foi dans une conscience pure. Wenye kutumika kazi imani na zamiri safi. Paul disait. Paulo alikuwa anasema. Je crois que c'est dans Acte 16. Matendo ya Mitume 16. J'aime lire ça rapidement. Napenda kuisoma kwa haraka. Ou 24 peut-être. Acte 24. Matendo ya Mitume 24. Acte 24. Matendo ya Mitume 24. Oui, oui. 16. Acte 24. Musara 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je commande à Nikona Jikaza, Niona Zamiri Bila Kemeo, Mbele ya Mungu, Nambele ya Batu. Imaginez Paul, le messager et l'apôtre de païens. Mone kwanza Paulo mujumbe na mutume wa mataifa. Comment il tenait durement son corps? Namna kana alikuwa anajitendea nguvu nguvu. Dis, je me force. Asema niko na jikaza. J'ai fait des efforts. Niko na jikaza. D'avoir constamment. Niwe kila mara. Une conscience sans reproche. Na zamiri safi bila kemeo. Devant Dieu. Mbele ya Mungu. Et devant les hommes. Na mbele ya watu. C'est un homme de Dieu. Jo mtumishi wa Mungu ule. Il est constant. Kila mara zamiri yake iko bila kemeo. Dis Seigneur, asema Bwana, si tu sondes mon cœur, kama unachunguza moyo wangu, tu ne verras rien. Haustakuta kitu kibaya. Sont de très grandes responsabilités. Ni majukumu makubwa sana. Très grandes responsabilités. Ni majukumu makubwa sana. Qu'on les épouse d'abord, exerce ensuite le ministère. Wapime kwanza na kisha batumike kazi. Frère, on nous a aidé avec ça. Ndugu mama tusaidia na hii. Tu vois, autrefois quand on plaçait les diacres. Zamani walikuwa tiwakuwa na uka bashemasi. On leur donnait un temps de preuve. Walikuwa wapatia wakati mmoja kubapima. Aujourd'hui c'est un non-sens parce qu'à peu près c'est le même qui revient. Leo hivi kwa nguvu tuanze kubapima njoo ni paka bale bamoja bamoja na kwa kanapo. Leurs femmes doivent être honnêtes. Babibi yabo banapasha kwa na moyo wa kunyoloka. Les femmes des diacres. Babibi ya bashemasi. Même les femmes des anciens. Ata babibi ya basé. Ce non nos chers personnes va venir. Oh non, c'est juste une question de femmes des diacres, pardon. Non, et non, non nous les femmes non. Des anciens, non. Même vous sœurs. Ata mweweye. Dit Michel wa diacre. Ceci concerne toutes les sœurs, non seulement les femmes des diacres. C'est la vie chrétienne. Je m'aisha bo Christo, kuwa na moyo wa kunyoloka. Moi je suis sœur tuku. Oh moi je suis miniko dada tu doangu. Shina bibi wa shemasi. Cela est demandé aux femmes de diacre. Ini mambo ya babibi wa shemasi ndio wanapaswa kuwa na moyo wa kunyoloka. Hapana. Leurs femmes doivent être honnêtes. Babibi wa shemasi wanapaswa kuwa na moyo wa kunyoloka. Non médisante. Bashiko ba to kusemea ba bingine bibaya. Ce que nous faisons comme travail. Ikazi tunafanya. Nous gardons le secret des gens. Tunachunga kama siri ya watu. Il y a des choses que je ne peux pas partager avec les anciens. Kuko bitu venye choses ata kuonesha bazi. Quelqu'un veut se confier à moi. Mtu anaweza kunionyesha mambo. Et je mourrai avec ce secret. Na takufaka na ile siri. Mr. Bambia. Je ne dirai pas, je le dirai pas aux anciens. Tu rentres à la maison. Ça signe on rudia na saa kupita sana kunyumba. Chérie, mpendwa. Aujourd'hui tu rentres vraiment avec beaucoup de retard. Qu'est-ce qui se passe? On rudia saa kupita sana leo ni nini? Ah, tu vois. Dossier le frère là Yves. Dossier du frère Yves et sa femme. Na bibi yake. Sont des païens. Il va pas gagner sana. Tu commences à relater. Unaanza kumonesha bibi yako ile mama. Tu le déshabilles. Unaanza kumfula ule mtu. Elle a bibi yako. Elle écoute. La bibi anasikia. La femme de Yves c'est Joël. Bibi wa Yves ni Joël jina yake kwa mfano. Anasema barafiku hapa. Elle appelle ses amis, ses autres amis. Jan. Hier. Bonne heure Joël midi. Mon mari est rentré à minuit à la maison. Dossier à Joël la bonne heure Yves. Le dossier de Joël. Angaria. Il commence à relater tous les faits. Mambo na zambala. Et l'affaire se répand. Et quand on demande à la base, comment elle s'est évoquée, c'est la femme du diacre qui a propagé la chose. Ou et la c'est femme parti de l'ancien ou du diacre. Et c'est l'ancien qui le lui a dit.
pour le diacre, la médisance, usema bibaya bya watu. C'est un mal vrai. Ni kweli ni kibaya alifanya. Mais dans nos principes. Lakini makanuni yetu. Nous parlons seulement en bien des frères. Tunasema kapaka bizuri vile nduko alifanya. Les choses négatives on ne doit pas en parler. Bintu bibaya bila alifanya tubisemake. Sobre. Mwenye kuwa na kiasi. Vous vous limitez au nécessaire. Unangaikia ya mafaa. Il ne faut pas aspirer à ce qui est trop. Hapana kutafuta vitu vyenye kuzidi. Pelevé. Yenye kuwa juu sana. Le nécessaire ça suffit. Ile tu inakuenea ya mafaa. Fidèle en toute chose. Waaminifu mkila kitu. Il doit être marié d'une seule femme. Bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Ceux qui remplissent convenablement leur ministère. Oui, c'est un ministère. Le ministère des diacres. Parfois par orgueil. Les gens ne voient que les cinq ministères de la parole. Un ancien n'a pas de ministère. Ah, musée, anana huduma. Un diacre n'a pas de ministère. Shemasi anana huduma. C'est de l'eau. C'est une Bible. Ikiburi, mais la Bible en parle ici. C'est un ministère. Quand le serviteur de Dieu, mutumishi, mutumishi. Et comment mutumishi wa Mungu, vous l'appelez serviteur. Tous nous servons Dieu. Chez votre même vous servez le, Dieu. Le brebis, vous servez Dieu. Nous sommes tous serviteurs de Dieu, mais vous m'achetez à quoi tienne. Dans des sphères différentes. À Mungu. Même la chorale, les frères et les sœurs servent Dieu. Vous attribuez cela uniquement au prédicateur, c'est faux. Tu vois, les diacres, c'est un ministère. Kazi ya washemasi na yoni huduma. Les anciens sont des ministres locaux. Baze na boni batumishi. Les anciens sont des ministres locaux. Washemasi na boni batumishi. Mais il y a le ministère de la parole pour le corps universel. Sasa kuma huduma tano ya neno. Ile sasa ni ya kanisa ulimwenguni pote. Non, le païen nous dépasse. Na bapagano wana tupita. Shiko ba député national na député provincial. Ya député kuba député wa mujimbo na ba inchi yote. Vous voyez ça dans le monde. Shinjo ville m'a donné. Donc on doit faire très attention. C'est tout un ministère. Hier, je parlais de diacre. Dit, ils sont responsables de l'assistance matérielle. Il y a toute une procédure. Et ils décident en groupe. Il y a des décisions qu'ils doivent prendre en groupe. Pas un seul diacre. Et il doit s'organiser comment expédier les dossiers. Ils sont la police de l'église. L'ordre civique. Pendant les cultes. Wakati wa ibada. C'est leur travail. C'est un office d'assistance spirituelle aux anciens. Na bote na bekuna kazi ya kusaidia baze mukiroho. Umambo ya kiroho. C'est la police. Ibote bekuna leta utaratibu mukanisa pale. Ils s'occupent de l'aide financière. Ibote bekuna saidia ba memba bitu franga. Et ils assistent les anciens dans toutes les tâches spirituelles. Na bekuna saidia baze mu makazi mu kazi yote ya kiroho. Et ceci est très très important. Naini ya mafasana.
sont des assistants des anciens. Et qu'on a saïdia wazé. On ne peut pas avoir de diacre sans anciens. C'est un non-sens. Et ils sont établis au niveau de l'assemblée locale. Je me rappelle quand on était encore à Kaboul au début de notre foi. L'église commence avec la parole de Dieu. On ne commence pas avec l'ordre. Il faut un temps établir la doctrine. On n'a pas ça kuleta neno kisha wakati unaleta mafundisho msingi. Il y a deux frères qui nous aidaient. Kuba nduku moya bawili. Ils venaient seulement pour placer les bancs, c'est fini. Boba lanza kwa tunkweka mabanc pour le mkanisa kunesha. Parce qu'on priait dans un hangar. Tutu kwa naombea kama hangar, balikuwa natusaidia ville. Et à la fin, il fallait rentrer le banc. Na kumwisho balikuwa natosha mabanc banaenda erudisha. Parce qu'on pouvait les voler. Tuku baliweza kuiba. Et venez à temps et quittez après tout le monde. Parmi ces deux frères, il y avait le frère Mukendi qui fut pasteur de l'assemblée de Kalemi. On était tous jeunes. Et lui était encore plus jeune que nous. Célibataire. Après un temps, kisha wakati moja hivi, fuji natoka. Un désordre a surgi. Non, ce sont des célibataires. Obo abachaowa. Comment nous kubadiakre? Je ni bashemasi. Mais qui les a établis? Ni nali baweka seni bashemasi. Ils n'ont jamais été établis. Atu yabaweka kasema ni bashemasi. Baranza otusaidi abule. Il faut un sacrifice pour nous aider. Balikona jito wajua kwa kupanga bichi yabatu kikalia. Et on a commencé un problème. Sasa munanza mambo pale. Les démons. Tous ces frères juifs sont dans la fausse doctrine. Des dérangeurs. Un diacre est établi localement. Il n'y avait aucun diacre. Donc pour être là-bas, il faut être marié. Je vous pose cette question. Pour placer le banc, la curie, il faut avoir une femme. Et le retourner après culte. Il n'a fallu quoi la Bible. Il ne jugeait aucun cas. Il ne faisait de reproche à personne. Se mettre le banc et tout. Il faut avoir une femme pour faire ça. Il a fallu quoi la Bible. Tu as quoi la ville. Kuyua. C'est comme les soeurs qui torchonnent ici. Il faut commencer à poser. Non, il faut être marié. On n'a pas choisi ça, dada, oh, kuna bwana. C'est une folie ça. Chinimazi mouin. Les diacres sont établis. Bashema sibe on a ouais comme kanisa pali. Sont des assistants des anciens. Na dès qu'on a saidi à muse, basé. Mais ce qui est triste. Ça saigne que tu ouzunisha. Il y a des gens qui placent des diacres, eux-mêmes ils ne comprennent pas pourquoi ils les ont placés. C'est comme quand la démocratie a commencé, on a fait démocratie. Un dictateur démocrate, est-ce que vous comprenez? Mutu akazisha bitu etanezu kuitikia uhuru ya batu ya kutenda hapana. On doit comprendre ce que l'on doit faire. Il est tout pas choisi. Vous placez des diacres. Vous ne comprenez pas leur rôle. Amoudjou attaque Aziabonini. Quelque part. Vas-y-moi. Il y avait une cérémonie de mariage. Le quoi Kandoa? On attendait les pasteurs. Pourquoi tu n'as pas ils ne venaient toujours pas. Ashikouye. C'était l'après-midi. 15h, 16h, 17h. Les diacres ont dit, mais consacrons le mariage quand même. On ne va pas jusqu'à 20h. Un diacre a consacré le mariage. Parce que l'on est en retard. Le pasteur est arrivé en retard. On va reprendre. Comme si nous avons commis un péché. C'est un pasteur. Je crois que désordonné. Et qu'on a foutu au mukicho le pasteur.
Il a lui-même créé un problème. Ye moya na leta mambo. Un grand problème. Qui vous a autorisé? Nani alimwambia ombe indo? Inakuwa mambo. Pourquoi tu les as établis alors en tant que diacre? Nous consacrons le mariage. Tuna tolea kamandoa. Le diacre aussi peut consacrer le mariage. Na chema si nabo banaweza kutolea mandoa. Il nous assiste dans toutes les tâches. Même sur un point de doctrine, je peux vous aller voir les diacres pour ça. Il ne doit pas se rétracter. Il doit être prêt pour ça. Chemin, ça n'a pas choisi de faire pour s'aider pour mambo à ma fondation musingi. Je crois, j'aimerais que vous obteniez quand même cette petite fascicule parce que j'ai mis ça. Voilà, explique comment ça se passait au Branham Tabernacle. Branham Ekononesha Ville, Bilkwana Fanika, au Branham Tabernacle. Écoutez. C'est qui? Ils ont la liberté de parole. Washema Shirona Uru Yakusema. Pour présenter tout programme ou bénéfice qui pourrait bénir le bien-être général et spirituel de l'Église. Je voulais t'avoir au programme moi, il est accusé à Mwendele, Mwenendo Akiro ya Kanisa. Il leur sera donné la liberté de parole. On n'a pas choisi na uru ya kusema kuleta wazo. Les anciens doivent avoir deux réunions avec les diacres sur la marche de l'Église. Bashema sin na wazé, on n'a pas choisi na mukusaniko pa mambo ya Mwenendo ya Kanisa. Ça dit la conduite spirituelle de l'Église. Nous kusema vous avez les anciens, les diacres. Pas les administrateurs. Les administrateurs n'ont rien à faire aux choses spirituelles. Ils ont leur rôle à jouer à part. Dans cette réunion, ils ont la liberté de parole. Oyele mukusaniko ya bazé na bashemasi, bashemasi bwo na uru akusema. Ils peuvent parler. Banaweza kusema. Présenter un programme. Kuleta ko programme. Pour le bien-être de l'Église. Dieu a monendo muzuri ya kanisa. Mais il y a deux pasteurs qui n'écoutent jamais les diacres. Lakini ko ba pasteur la ba aba si se comportent en dictateur. Bo bwo na kazi ni pas ka bo tu. Ils n'écoutent pas le diacre. Pourquoi tu les as établis alors? C'est triste. Une église, il n'y a jamais eu de réunion entre le pasteur et l'église. Jamais. Il est basé dans la chemin de la Kusanikaki. Ils ont la liberté des paroles. Dans cette réunion-là, il peut faire même des reproches au pasteur. Et le pasteur doit écouter. La pasteur n'a pas aussi qui. Non, pasteur, d'après ça, tu as mou. Il ne va pas. Pasteur, d'après la parole, ça il doit écouter. La pasteur n'a pas aussi qui. Et les anciens se font des reproches au diacre. Basé et si on doit bien travailler, il faut corriger. Amutumike muzuri hapa, mna pasha utumika hivi. Ça, c'est dans une réunion. Yote ni mumukusaniko ile. Nous suivons la conduite. Il faut des rapports sur l'avancement. Donc on a l'état de ma ripoti, pas mwenendo wa kiroho ya kanisa. Il surveille ça. Donc on a kesha pa ile. Ils assistent les anciens. Donc on a saidia wazee. Maintenant, il y a une mise en garde. Ça, ça kuko angalisho. Parce qu'il y a toujours des déviations. Tu kuna kwa kapra mawazo yenye kwenda pembeni. Ils n'auront aucune réunion entre eux. Bashema si abawezi kuwa na mkusaniko kati yao. Sans que le pasteur ou le pasteur associé ne soit présent. Kama pastora ou le pasteur wamsaidia ashina mwile mkusaniko. Ce sont des déviations maintenant. Hii ni kwenda pembeni sasa. Pour aider les membres, ils n'ont pas besoin des anciens et même ils traitent. Mais quand il est question
de la marche spirituelle de l'église. Sasa pa mambo mwenendo wa kiroho ya kanisa. C'est une réunion entre les anciens et les diacres. Ni mkusaniko ya bashemasi na baze ya kanisa. Et ils en parlent. Na beko nasemea mwenendo ya kiroho ya kanisa mwile mkusaniko. Dit moi le président des diacres, nous aurons une réunion sur la marche de l'église. Ni kiongozi wa shauri ya bashemasi tunapaswa kusanyika. Ah, pasteur, pasteur anapo. Pasteur associé. Pasteur kusaidia anapo. Madame Zosso, vous voyez comment? Et ils se mettent à parler de la marche spirituelle. Non, ça ne va pas. On en a dit à Vito Biendeke. Alors aujourd'hui, Léo, il n'y aura pas culte. Akuta kwa ibada. Banakamata mupango bashemasi. Toi, notre, tu prends la parole. Weye kiongozi wetu chez bashemasi, weje utasema. Vous allez dans l'église. On afika mkanisa. Deviennent comme des pèmes. Il fait une position. Il n'y a pas culte aujourd'hui. Ils sont déjà rouges. L'église sera conduite par les diacres. Jusqu'à nouvel ordre. Ça, c'est un grand désordre. Nous déposons les pasteurs, tous les anciens des ministres. Quelqu'un est avancé par le Nyangula. Mutu ala pima kwenda kule wana Nyangula, il le soulève. Non, non. Apana. Non, non, non. Apana. Si à des fois nous discutons dans la réunion. Kama kuko mambo mkanisa, na baze na bashemasi bataisemea mumukusaniko. On ne doit pas se concerter. Akuna mambo kusikilizana kumpembeni mbele. Vous posez les problèmes séance tenante. Unasema mambo pa ile saa ya mkusaniko pale. Si vous vous concertez, ça s'appelle un complot. Kama mnasikilizana kumpembeni mbele ya mkusaniko, ile ni complot ile. Et vous êtes déjà dans le camp de Satan. Na pale mko ngambo ya shetani. Et vous allez échouer. Na mtashindwa na mambo yenu ile. Pour vaincre dans les choses de Dieu. Tu uweze mubitu ya Mungu. Vous devez rester les principes de la parole de Dieu. Unapasha kuheshimia makanuni ya neno ya Mungu. Vous serez confondu. Utapata aye. J'ai vu ça à Kabulo. Bilona mambo ku Kabulo. Après la prédication, réunion. Kisha mobile mkusaniko. Quelqu'un convoque une réunion. Mutu moya anasema anaita anaita mkusaniko. Il n'est même pas dans un office dans l'église. An atumika kata mkusaniko. Les anciens frères. Oh basé 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 basé. Ilikuwa ni mvurugo. Et sont déjà concertés. Basha sikilizana zamani. À la réunion, toi tu vas dire ça. Mkusaniko tasema hivi wewe mimi tasema hivi na wewe tasema hivi. Tu es mambo. Nous ne sachons rien. On est là. Tuko pale. Frère. Tuko. Une confusion. Mouvuruko. Ça échoue complètement. Yote bilishindwa. À la sortie maintenant. N'a pas couté ça. Balance kosana. Et il s'est brouillé mais. Tu n'as pas dit ça. Tu sais mais tu ne peux pas chercher ma vie. C'est quoi? Ninini. Tu n'as pas chuté la cheville. Et on en était étonné. On ne savait pas qu'il s'était concerté avant. On peut prêcher partout sauf dans les royaumes. Wende mukaibie fazi yote. Lakini mufal mapana. Je connais histoire. Na juu mambo moja hivi. Les gens sont arrangés. Watu wanasikilizana. Bon. Oui, tu seras pasteur. Hein? Toi, tu seras pasteur. Après un temps, mitakuwa associé. Après un temps, je serai ton associé. C'était des diacres. Ils quoi ne bashemas? Ils ont fait ça quelque part. Wakasikilizana na ville. L'un encore pasteur. L'un est devenu pasteur. Après, banakosan. Après, ils se sont brouillés. Bashemwega associé. Anachiri mtoko mganisi. Il n'a pas pu le placer en tant qu'associé et l'autre a quitté l'église. Dieu a dévoilé ce secret. Tout ce qui c'est l'homme qui se met à dévoiler le secret. Dieu s'était concerné. Vous complotez dans les affaires des dieux. Aujourd'hui, ne sont plus. On peut tricher partout sauf dans le royaume. Ils ne sont plus aujourd'hui. On doit faire très attention. Tu n'as pas chauffé en Galicho. Quand il est question de la marche spirituelle, ce sont les anciens et les diacres. Ils ont la liberté de parole. Mais dans la réunion d'ensemble, vous posez les mêmes séances tenantes. On ne se concerte pas.
S'incomplot ce moment-là. Kama mnasikilizana pale ni shauri mbaya mnatunga. Et vous allez échouer. Na mutashindwa nayo. C'est comme nous les anciens. Iko sache baze. Si je veux quelque chose, kama niko na kitu. J'appelle frère jeune frère au même moment. Naita nduko e jeune nduko ikaka pale pale. On ne parle pas de. Atua sumbra kwanza nduko e jeune ndio tumuite nduko ikaka. Et on va le voir. Kisha tunaenda mbona. Mais ça c'est un complot ce moment-là. Ile ni complot ile. On n'est pas honnête. Pale atuna moyo haki. C'est ça la duplicité. Jo bujanja bule. C'est ça l'hypocrisie. Jo unafiki ile. Transkumulanda comme si atuye mambo. On se met à le tromper. Si alors qu'on s'est concerté. J'ai un dossier sensible. Kamani una mambo moya ya nguvu. Je les appelle tous au même moment. Na baita bote pale pale. Et je pose mon problème. Na sema mambo pale. Là, même devant Dieu, ma conscience est pure. Ata mbele ya Mungu, zamiri yangu iko safi. C'est comme ça que les choses se passent dans le royaume. Je vous le dis, tu n'as pas chauffé ni comme ufal, mais ça suffit comme ça pour les diacres. Il n'a rien à pas tuer parce que masi. Essayez de vous procurer cette fascicule. Mon photocopier y fascicule. Vous avez un peu le résumé des offices. Banisha kusema pamo kifupi na muna kani makazi unatumika mkanisa pali. Donc vous avez les anciens. Vous avez les diacres. Les deux ensemble. Suivez la conduite de l'église. Maintenant, il reste les administrateurs et les trésoriers qui n'ont rien à faire avec les choses spirituelles. N'allez pas consulter un adversaire sur les affaires spirituelles. Ça n'existe pas. Et n'ont rien à faire avec vous. Ils travaillent dans leur bureau. Mais le diable peut se promener ici. Peut venir chez vous si vous êtes malade. Prier. On peut vous convoquer. Nous jugeons, eux aussi jugent. Si j'ai un point avec un frère, il peut aller m'axer chez les diacres. Et nous allons comparaître devant les diacres. Il parle, je parle. Et je dis au diacre, si le frère a raison, vous me reprenez en face du frère. Vous lui donnez raison, c'est parce que vous avez chéri, pasteur, vous ne jouez pas une comédie. Moi, je vous fais mise. Vous le laissez partir, après vous me dites, pasteur, tu as trompé nos patichas. Si j'ai mal, vous me reprenez de la même manière. Vous lui donnez raison. Il faut que les gens voient que nous sommes sérieux. Je ne sais pas si tu fais misa. Si un frère se plaint contre un diacre, j'appelle le diacre. Si il a mal agi, je le reprends devant les frères. C'est comme ça que l'église doit fonctionner. Seule la parole de Dieu a raison. Si je fais voir les anciens, on m'appelle. Si je fais une faute, Dieu ne va pas descendre des cieux pour venir me juger. Et vous avez des gens par orgueil. Peut-être il est prédicateur. Il a tapé la femme. Allez, pique à Viviaki. La femme au rabbin ancien. La femme est venue voir les ou anciens. Ou les diacres. Ah, ou Bachemas. Dis pas question. Il est Qatar. Moi, ministre. Mimoubiri. C'est de l'orgueil. Manza, on y s'amuse à Bachemas. Ata. Il est venu voir les. Tu ne connais même pas les affaires de l'église. Donc, toi, tu. Dans le monde, il y a des catégories de gens. Toi, on ne peut pas te juger au tribunal de paix. Oui, on peut se juger au tribunal de paix. Ici, dans l'église, cela n'existe pas ici. L'église, c'est le plus haut lieu du jugement. Kanisa jo baraza ya juu ya bisambo. Les diacres peuvent convoquer un ministre. Shemasi wanaweza kusambisha mhubiri. Toi, tu as tapé la femme ministre. On ulipika babibi, wewe mtumi mhubiri ulipika bibi. Donc malaika kwa kujuger je comme ministre. Il faut qu'un ange vienne te juger parce que tu es ministre.
Tu seras jugé par le diacre. Et si tu as tort, tu as tort. Le ministère est à part. Là, tu as donné des coups de poing à ta femme. On doit te reprendre. Il n'a pas eu qu'à me parler. Non, moi, au moins le pasteur. Mais il n'est pas pasteur, je t'arrête à mambo. Pas le diacre. A pas nabashemasi. C'est de l'orgueil. Ukona kiburi. Ukona kiburi. Et tu n'as pas le Saint-Esprit. Narom takatifu auna nayo. Non, c'est comme ça que l'église doit fonctionner. Je vis kanis et n'a pas chaque tembea. Même vous les membres. Attends, moi, ba memba kanis. Vous êtes convoqué. Comment on a quitté au Canisse? Mistenda. Oh, je n'irai pas là-bas. La justice divine, c'est dans la maison de Dieu. Aki ya Mungu iko natendeka mu nyumba ya Mungu. Aina kwako? Pas chez toi à la maison. Bon, passez, couille. Oh, pasteur, viens seulement, viens à la maison. Madame Nipika. Il est en train de me donner deux coups ici. Pourquoi une fois ni? Pour que je vienne faire quoi? Venez à l'église. Mukuyeni ukanisa. Ça se passe dans la maison de Dieu. Tutakata mambo munyumba ya Mungu. Et quand vous opposez, vous n'êtes pas en ordre avec. Na kama unakatala ni kusema hauna hata musawa na Mungu. C'est de l'orgueil. Uko na kiburi. Et l'orgueil précède la chute. Na utanguka. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki. L'essentiel vient d'être dit sur les diacres. Donc il y a trois choses à retenir. Assistance matérielle. On voit les diacres pour ça. La police de l'église. Ils sont responsables de l'ordre civil dans l'église. Ils surveillent ça. Ça, ce n'est pas une porcherie. C'est la maison de Dieu. Il y a des responsables pour l'ordre. Et nous devons nous soumettre à la discipline. En tant qu'enfant de Dieu véritable. Et l'assistance spirituelle aux anciens. Quand un diacre vient, il représente l'église. Regardez, on est maintenant débordé avec le deuil. Et le frère fait un grand travail. Non, monsieur le Kanisa. Au moins, je n'ai pas vu l'église. On ne saura pas tous venir à ton deuil. Il nous représente, ça suffit. Comment chez Massé qu'on parle moya, chinichier bot en anoné, je parle. Je crois que c'est comme ça que les choses doivent marcher. Je vais vivre, tu n'as pas sa fanica. Et en tant qu'ancien des anciens, dans sa ville, on a sa idée basée. Il doit aussi être humble. Là où ça se complique. Pale bitu binaba banashindwa binabakuya nguvu. Je dois consulter les anciens. Il ne devient pas moins diacre pour autant. Aina sema banapunguka cheo hapana. J'ai trouvé un dossier compliqué. Asema muzemi pata imambo na inanipitia. Moi je me suis arrêté ici. On peut l'instruire. Tout à Moussaïdi, à ton amour. Fais ça. Oui, j'ai vu le pasteur. Attends, le monde pasteur. Maintenant on peut continuer. Pendele ça. Il n'y a pas de problème. Hakuna mambo. Mais nous collaborons. Lakini tunatumika mkusikilizana. On a un même objectif. Tuna shaba moya. Nous travaillons pour la même cause. Tunatumika juu ya kifukuzio moja. On n'est pas en guerre les uns contre les autres. Atukombanishane wamoja na wengine. Ça se fait dans l'harmonie. Tunatumika mupatano. Et dans le respect mutuel. Na mkuheshimiana wamoja na wengine. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki. Il y a des questions, on verra comment répondre à ça. Koma ulizo tutaona namna gani kujibu. Et dans cette exposé, il y a déjà une réponse. Il y a quelqu'un qui a demandé qu'il y a
une écriture qui parle de Phoebé, une femme diaconesse. C'est une mauvaise traduction. Pas toujours pour le dire qu'il y a des conditions. Prenez ces conditions et appliquez ça sur une femme. Abitendeka, c'est une femme. Paul a dit à Timothée, d'après mes instructions, prenons les instructions de Paul. Abitendeka, ça ne va pas correspondre. Ce sont des hommes dans les assemblées biblique. Les gens qui sont des hommes. Même à Jérusalem. Vous avez laissé ce sont des hommes. C'était des hommes. Mais oui, Satan a mené gens très loin. Léo Chétan n'empêche pas ton bal et ça. Les églises où vous avez des hôtesses, mini-jupes bien maquillées, ça va mon avion hôtesse. Comme des hôtesses d'avion. Et on voit ça dans les églises. Ce sont des hommes. Parce que c'est la police. Ils doivent être fermes. Banapasha kuna msimamo wa imara. Autoritaire. Banapasha kuna mamlaka. Sont des hommes. Ni banaume. Mungu anaikiri kunasema. Dieu sait ce qu'il dit. Ya avec ma hôtesse, biko chez banaume. Na ma hôtesse nini? Nous ce sont les hommes. Et puis vous devez savoir une chose. Unapasha ujue kitu moja. Nous sommes à la fin du temps de la grâce. Biko kumwisho wa wakati wa neema. Dieu envoie un prophète. Mungu alitutumia nabii. Il y a un docteur. Na mwalimu wako wako. Tenez compte de ça. Mwangalie ile. Nous ne débrouillons pas. Chia tutafutishe, atutafutishe mafundisho kupapasa hapana. Nous puissons quelque part. Iko wako kule tukunaenda kuibeba. La tâche est déjà facilitée. Basha kutusaidia. Les autres sont libres. Bengine bale beko na tafutisha lakini si hapana. Ça suffit comme ça pour aujourd'hui. On va continuer demain, dimanche. On a fini avec les diacres. Il reste les administrateurs, les trésoriers. Il y a encore l'ordre pendant les cultes. Il y a le neuf don de l'esprit. Et les cinq ministères. Et là, on aura bouclé. Que le Seigneur vous bénisse. Bon ami Bariki. Je remets le service au président du culte. Narudisha ibada kwa kiongozi. Ombe wote pamoja mkifupi.